Et bonjour à tous et bonjour surtout pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2 pour l'épisode 22. Normalement ça va être le dernier épisode, donc on va voir ça, c'est parti. Let's go. Vous devez les neutraliser, en faire votre cible prioritaire. Quelque chose. Marie. Ça dure depuis trop longtemps. Oh, j'ai entendu, Marie. Comme j'avais entendu toutes les fois d'avant. Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Conspiration? Et il a obscurci ma photo? Eh, hey, Ray, tu peux effacer cette merde? Ouais, mais ça va pas être aussi facile ce coup-ci. On dirait que le douche a fait de toi un problème fédéral. Bienvenue au club, amigo. C'est ce qu'il voulait depuis le début, non? Nous faire passer pour les méchants qui terrorisent la Silicon Valley. Maintenant, il leur propose sa protection via le CityOS et le Backbone satellite. Et paf! Ils sortent tous leur chéquier. Ouais, et maintenant Bloom a accès à toutes ces données collectées qui vont alimenter ce putain de Bellwether. Chier, ils vont finir par savoir plus de trucs que la NSA. Je parie que la NSA donnerait très cher pour coopérer avec Bloom maintenant. La NSA va encourager les autres entreprises à écarter les fesses pour Bloom. Faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Pas question. C'est exactement ça que veut Dushan. En plus, tu t'es déjà tapé une bonne partie du travail sur le terrain. Va falloir répartir le poids, sinon tu vas te péter le dos. Ok. Ok, vous allez sur le terrain. Et moi, je gère la logistique. Allez, on se bouge. Hé, tu m'as encore lancé ton regard, là. T'es sûr que ça va? Marcus court de gros risques. Oui, alors laisse-moi l'aider. C'est pas moi l'ennemi, Citara. Je le sais, ok? Mais on n'utilise pas les autres ici. Ça, c'est Primate, c'est la Silicon Valley. Hé, les gars, est-ce que tout va bien? Ouais, tout va bien. Alors, tant mieux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as aidé Marcus. Avec plaisir. C'est chelou. Je vous présente Andrew Novak, l'assistante d'Ushan. Oh merde, le pauvre. Ça fait un moment qu'il vole des données propriétaires pour son véritable amour, Marie Catskill. La PDG? Quel abruti. Je vais hacker son laptop, utiliser sa backdoor pour infiltrer le cluster privé de Bloom, et je vais craquer le code qu'il nous faut. Mais avant, si ça te dérange pas, je vais aller me dégourdir un peu les jambes. C'est cool, on joue tous, en fait. On va tous les jouer, je parie. Hé, hey, Marcus. Oh yes. Balance-moi du 9. Oh, c'est trop classe. Bon, mais bien sûr, j'ai enlevé la musique, hein, c'est pour ça qu'on entend rien. Oh, c'est cool. Il faut que je trouve une solution, sinon j'arriverai pas à perturber le routeur CityOS local. Merde. Oh, fais chier. Bloom plaisante vraiment pas pour protéger son matos. Putain, ce champ, j'ai rien en plus avec elle. Putain, c'est un peu casse-cou ça.
Putain, il lui faut là. Il lui faut là. Putain, merde. Lui là. Putain, ça va être tout ça. Ah, puis en plus, ça l'active obligatoirement. Oh merde. C'est chaud, putain de merde. Le reboot. Putain de merde, ça me casse les burnes. Celui-là. Ici. Là, arrivé. Je pense sur ça par contre j'ai pas passé 3 ans. C'est mort. Donc putain voilà. Non. Alors commence. Alors. Et voilà. Ça c'est bon. Et c'est bon. S'ils s'en rendent compte, je suis grillé à vie. On dirait que ça vous amuse. Andrew, ma porte est toujours ouverte. Vous le savez. J'ai pas envie de rester assistant toute ma vie, Marie. Ah non, pas en tant qu'assistant. Vous avez trahi Dushan. Pour vous. Le service juridique et les RH ne voudront jamais de vous. Vous avez un procès qui vous fend au nez. Tac, ça c'est bon. J'ai chopé le code d'accès. Wrench, à toi. Hop, du coup on passe au Wrench maintenant. Ok. C'est cool. C'est bien. Mmh.
Ça te dirait de trouver les serveurs de secours de Bloom et de les faire sauter? Tu pourras péter tout ce que tu veux comme ça. Ce site est beaucoup trop bien gardé, amigo. Et puis, c'est juste à côté de chez Bloom. Va montrer tes muscles un peu. Détruis les serveurs de secours, sinon ils auront qu'à restaurer une ancienne version des données qu'on est sur le point d'effacer. Ça va être compliqué, moi je vous le dis. Putain, t'es sûr, je vais me faire niquer. Ah, je sais pas s'il faut faire ça. On va pas faire ça directement, je pense. Comment on va le faire? Comment on va faire? C'est ça le problème. Ça te dirait de trouver les... Je pense qu'on a déjà tué pas mal. Après, on va appeler les flics. Je sais pas trop le chou là.
Putain, c'est où? Putain, c'est où? Hey Marcus, tu la trouves pas petite cette pièce? Je sais pas, je la vois pas. Ouais, c'est vraiment petit. Boum. Mais elle est où ce truc là là? Putain, j'arrive pas à le trouver. C'est ça là. Putain, elle est où? Sur le côté, elle est où? Bah si, c'était bien là qu'il fallait au début, putain. Je me demande ce que ça débloque. Je vais l'ouvrir. Toi, ouvre bien les yeux. Oh non, putain, il y a des gens. Oh non, il y a des gens de partout. J'espère que ça va marcher. C'est bon. Nickel. T'as trouvé les serveurs de secours? Mieux. J'ai trouvé le placard de service, les serveurs de secours et les générateurs du campus. Une chance que j'ai prévu large. Marcus, je suis venu, j'ai vu, j'ai tout pété, et je suis revenu. Josh, on en est où? Il y a 73 Marcus Holloway qui se baladent au moment où je te parle, et on est en train d'en créer d'autres. J'arrive pas à imprimer les masques Yurmi avec ta tête assez vite. La reco faciale du CTOS devient dingue. Tu peux y aller tranquillement maintenant. Yes, c'est bon. Mais bon, ça fait déjà une demi-heure. Maintenant c'est l'autre. Je pense que c'est le dernier. Blue. Le dernier. Putain! Vous avez assuré! Je t'envoie le code pour entrer. L'assistante Dushan ne sait pas qu'il a été piraté. Du coup, tu devrais être tranquille. Une fois sur l'ordinateur AirGap de Bloom, transmets tout ce que t'as avec ton téléphone et relaie les infos au vaisseau mère. Bonne chance, cowboy.
Je pense que ça va être en deux parties du coup la dernière, parce que là ça fait déjà une demi-heure. Mais ça on a essayé d'être long, donc soit je suis en deux parties. Alors si je suis en deux parties, alors, attends. Putain! Pour commencer ça me pète. Oh merde! Ouais. Faut que tu t'arranges pour qu'ils puissent pas prévenir. On va déjà faire voler. Tu t'arranges pour qu'ils puissent pas prévenir Dushan. T'as une idée? Accéder aux routeurs du campus et modifier leur mot de passe. Plus personne pourra utiliser le Wi-Fi, sauf nous. Fais ça vite alors, moi je surveille. Putain, t'es gonflé toi, hein? Putain! La clé, il faut que je la cherche. Cherche autre chose. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? La clé, elle est là-bas. Tac là. Bien sûr. Hop. Rien de moins. Bingo. Pour le suivant. Donc là c'est parti, je sais où qu'il est. Ça va être facile. Reviens me dire ça en face, ta fiole. Putain, j'ai une perte de signal. D'un côté, vraiment, ça marche. Hop, fils de pute. Non, pas encore. Connard. Hop là. Ça c'est bon. Maintenant on va aller là-bas. Hop là. Et un routeur de moi. Ça y est, tout est coupé. Et Dushan aussi. Ça va de ton côté, Ray? Nickel, Chrome. T'en fais pas pour moi. Trouve le moyen de descendre. Tu te crois où, petit con?
là. Voilà. Et hop. Je suis dehors avec la caisse. Ça va toi? Ouais. Ça m'emmerde de pas être avec toi sur ce coup-là. Mais ça va. Je sais. Je suis plus très loin de l'ordi à AirGap. Ok, bon allez. À toi de jouer. Parfait. Merde, c'est où? Alors attendez, je reviens, j'ai juste un coup de toilette. Alors, c'est reparti. Là, c'est l'ordi. Mais moi, faut que je trouve. Tac, 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 là-bas. Le problème, c'est comment on fait. Bon, je veux bien, hein, mais... comment on fait? Ok, juste à faire. J'ai passé la porte. Ça tombe bien, la voiture est prête. Quand tu veux. Ray, sérieux, faut trop que tu vois cet endroit. Putain, me dis pas ça. Tu veux me faire du mal? Allez. La dernière fois que j'ai essayé ça, Dushan les mecs a déboulé. Il est pas là, crois-moi. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Ouais, je vais quand même croiser les doigts. En tout cas, c'est bizarre que l'endroit soit pas gardé. J'utilise le certificat de Josh pour entrer dans le système. Vous voyez quelque chose, les gars? On a accès à l'ordinateur à AirGap. Il est de nouveau sur le réseau. On télécharge ce qu'il nous faut. Et là, c'est le plus compliqué, ça repartir. Merde, je crois qu'ils ont pas aimé. Fais gaffe à toi, gamin. T'es pas encore remonté. Ouais, je sais. J'ai du monde là. Ah merde, trop. Il y a trop d'hommes là. Il y a trop de monde. Ils arrivent tous là, on va passer de l'autre côté. Merci, c'est potentiel, près de votre position. Ah bon, on s'est fait hacker. Trouvez les coupables, vite. Une alarme s'est déclenchée. On envoie des hommes sur place. Merde, je crois qu'ils ont pas aimé. Fais gaffe à toi, gamin. T'es pas encore remonté. Ouais, je sais. J'ai du monde là. Ok, c'est ce qu'il va faire. Faut un tour. Vite, 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 vite. Allez. Je
Qu'est-ce que je fais? Ouah. Et voilà. Je suis à l'ascenseur. Le moteur tourne. Sidara, on rentre. Mais Ray et moi, on doit encore faire un arrêt quelque part. C'est bon, vous êtes invisible. Merci. Ray, je sors. Faut qu'on termine ça. Putain de merde. Oum, merde, trop faire exploser. Alors ils arrivent de là-bas. Non 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 non. Vite, 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 vite. Dégage, dégage, dégage ici, dégage, 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 dégage. Dégage ici, dégage ici, dégage ici, dégage. Vite. Oui. Putain, j'ai chaud, j'ai chaud. Putain. C'était chaud, chaud, chaud quand même. Salut Négro, ça va? Marcus. Je dois dire que je vois pas trop ce que t'as à gagner en venant ici, mais... Oh, attends. Attends. Vous seriez pas en train de me mettre un vieux coup de pression, des fois? Tu ferais quoi si c'était le cas? Quoi? Toi et le fossile, là? Je sais pas, je pense que je m'en sortirais pas mal, même bourré. Le fossile, comme ouais, tu dis... Ouais, je sais qui c'est. Je m'y suis pas mal baladé dans la tête de Ray Kenny, à malaxer son code. À l'améliorer, à le reprogrammer. Mais j'ai de bons outils aussi. Ceci étant dit, bien joué pour quelqu'un qui sort de sa caverne. Vraiment, respect. Oh, ça va. Arrête de me raconter ta vie, Dushan. C'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler une visite de courtoisie. Ça serait plutôt du genre... Comment tu disais déjà? On le baisse dans sa bouche et on se barre. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, ok. Moi aussi, j'aime bien la déconne, les copains, mais... Je peux savoir ce que vous foutez ici. C'est peut-être important. Tiens, je vais te raconter une histoire. Notre histoire. Tout ce que t'as fait, on l'a diffusé partout.
ton mépris de la confiance du public, les manipulations boursières, les mensonges, les escroqueries... Ton putain de Bellwether. Tout y est. C'est du bluff. Il va se passer quoi si cette fois-ci tu réponds? C'est peut-être Bloom qui va t'envoyer tout seul au peloton d'exécution? Ou c'est ton avocat qui va t'expliquer que tu devrais te rendre? N'importe quoi, c'est pas possible. Ou tout simplement de la pub. Tu devrais vraiment répondre ce coup-ci. Qui que ce soit, tu feras plus de mal à personne. Dushan, les mecs! Vous êtes en état d'arrestation! Les mains derrière la tête! Au sol, tout de suite! Dushan, les mecs, vous avez le droit de garder le silence. Yeah. Et voilà. C'est un mot qui déclenche tout de suite la peur de l'autre. Ils essayaient de vous isoler. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Et ils vous ont poussé à croire que c'était ce que vous vouliez. Et sous contrôle. Ils utilisaient le CityOS pour vous suivre, prédire votre comportement pour que vous restiez dans le rang. Ils vous ont menti. Nous avons juré de les démasquer et de vous montrer la vérité. Nous vous avons invité à nous rejoindre et vous l'avez fait. Vous avez dit d'une même voix, personne ne nous mentira. Personne ne nous fera peur et personne ne nous fera taire. Bien joué. Merci. Cool. Un peu long, mais pas mal. Comas. Comas. Allons voir à quoi ressemble le monde quand on n'a pas peur d'être tous ensemble. La cellule activiste de San Francisco, DedSec, a dévoilé ce qui pourrait très bien être le plus grand scandale de toute l'histoire de la Silicon Valley. Les hackers ont fourni la preuve que le directeur de la technologie de Bloom, Dushan Nemec, détournait des données de CityOS dans son propre intérêt financier et politique. Nemec a été arrêté et doit répondre de nombreuses accusations de fraude, tandis que les autorités ont commencé à saisir ses comptes. L'attachée de presse de Bloom, Charlotte Gardner, affirme que la société a été sous le choc et mènera sa propre enquête, tout en coopérant avec la police. Les preuves présentées par DedSec pourraient envoyer Nemec en prison pour un long moment. Et voilà. Watch Dogs 2 fini. Alors, il aurait duré quand même pas mal de temps quand même sur ma chaîne. C'est vrai que... Je sais pas combien de temps, mais ça fait longtemps quand même. Encore vous, ce sera encore plus longtemps, parce que le temps que je vais mettre en ligne. Alors n'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. On fera un autre jeu. Alors je sais pas ce qu'on fera encore. Peut-être une petite idée, mais je vous le dis pas pour l'instant. J'espère que ça aura plu. Je pense que ce let's play est très quand même très bien. Ouais, c'est un très bon jeu quand même. Je ferai une note de moins de 16 sur 20 si je l'aurais noté. Quand même pas mal, un bon jeu, on s'amuse vraiment et même l'émission là après Annex et tout, franchement il y a longueur de jeu, assez important. Donc j'espère que ce sera plus, on se retrouvera pour une prochaine. Allez, salut! I promise I'll be all that you
you are.